Depuis le début des festivités du couronnement du roi Charles III, son petit-fils Louis a marqué les esprits. Du haut de ses 5 ans, le fils de Kate et William a volé la vedette à son grand-père à plusieurs reprises durant ce long week-end. S'il a su garder son calme dans l'abbaye de Westminster, les adorables pitreries qu'on lui connaît ont fait leur grand retour. Absent lors du spectaculaire concert à Windsor, Louis était bien présent auprès de ses parents pour le Big Help Out ce lundi 8 mai. Cette opération pensée par Buckingham Palace se déroule en collaboration avec plus de 1500 organisations caritatives. L'objectif est d'inciter les gens à faire du volontariat. Afin de montrer l'exemple, le prince et la princesse de Galles ont amené les Britanniques avec eux lors de cette journée de bénévolat. George, Charlotte et Louis étaient aussi présents à leur côté. L'occasion pour le Benjamin de la fratrie de faire son show. Le jeune prince, âgé de 5 ans, était assis aux commandes d'une pelleteuse avec son père alors que George et Charlotte regardaient la scène avec une pointe de nervosité. Mais visiblement, Louis manœuvre l'engin d'une main de maître et a tout fait pour aider à remettre en état une cabane de scout à ce loup. Supérieur à supérieur à supérieur à couronnement de Charles III, grimace, espièglerie. Le prince Louis fait son show. Après l'effort, le réconfort. Outre son essai réussi à la pelleteuse, le cadet de Kate et William s'est également mis à la peinture et a dégusté de délicieux marshmallows cuits au barbecue. Pour terminer cette pause gourmande, Louis a été vu en train de dévorer un délicieux hamburger. Kate Middleton, lui a fait passer une bonne journée, a déclaré le prince William à propos de son fils. Il n'y a plus de doute possible, le prince Louis a passé une excellente journée auprès de sa famille et a réussi à canaliser son énergie dans de nouvelles activités. Il semblerait que le prince et la princesse de Galles aient réussi à convaincre Louis que le bénévolat avait de très bons côtés. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, pas photo Abaca.